Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une omelette, mais pas n'importe laquelle. L'omelette grand-mère, l'omelette aux champignons et à l'ail avec une persillade. C'est vrai que l'omelette, c'est certainement le plat le plus compliqué à faire quand on fait une simple omelette. Donc, on va du coup montrer la technique pour la faire. Mais bon, il y aura des plis, il y aura peut-être une couleur qui sera pas la même, elle sera pas comme elle devrait être vraiment, comme quand on passe le concours du meilleur ouvrier de France où on vous demande de faire une simple omelette. Ok? Et quand j'entends dire les gens, oh, moi je sais pas cuisiner, mais je sais faire les omelettes, eh ben c'est faux! C'est faux parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Je le répète. Bon! Je vais pas me mettre en colère maintenant. On va attendre un petit peu. Bon, attendant! Si vous vous êtes lavé les mains, si vous êtes abonné, si vous avez affûté vos couteaux, et on va démarrer cette omelette, hein, ok? Allez, attention! C'est parti! Alors, la liste des ingrédients est en description au bas de la page. J'escalope mes champignons. Alors là, je ne jette rien, je garde les queues, je garde tout. Vraiment, hein, fais pas dans le chichi, là. Pas besoin. J'épluche mon ail. Ensuite, je vais l'ouvrir en deux. Il n'y a pas de germe, ça va pour l'écraser directement. Et le hacher grossièrement. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper du persil, je vais l'équeuter et le hacher. Bon, bien sûr, vous l'aurez préalablement lavé, ce persil, c'est important, il est bien essoré. Débarrasse, toujours la planche nette, et ensuite je vais mettre à cuire, je mets de l'huile, hein, de l'huile, du beurre. On pourrait le faire à la graisse de canard aussi, c'est bon, hein, ça donne du goût. Moi j'aime bien, hein, faire mes champignons, mes persillades à la graisse de canard. Alors je me souviens de ces omelettes que faisait mon père, il faisait des omelettes aux cèpes. Quand on partait en voyage, il faisait poêler ses cèpes, une persillade, et puis après on le mettait dans du pain, dans des gros pains, bien chaud, on mettait l'omelette dedans, après il mettait du papier alu autour, et on les mangeait, c'était encore chaud, c'était vachement bon. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça. L'omelette au cèpe en sandwich. Ok, donc là voilà, je fais sauter mes champignons. Je vais rajouter un tout petit peu de matière grasse encore, parce que les champignons ont tendance à boire pas mal, justement, cette matière grasse. Là, j'ajoute mon ail. Alors, je ne le fais pas colorer, hein, l'ail, attention, c'est... Voilà, on incorpore l'ail, on fait sauter comme il faut. Là, je vais casser mes œufs pour préparer mon omelette. Alors, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû les casser dans un petit ramequin d'abord, hein, pour éviter, si jamais il y en avait un qui n'était pas bon, de tout jeter. Là, je ne l'ai pas fait, parce que j'étais sûr de mes œufs, parce que c'est les œufs de ma ferme en Dordogne, et qu'ils sont extra frais, et que je ne prends aucun risque. Ensuite, j'assaisonne sel, poivre. Hop, le persil au dernier moment. Allez, un tour de poêle et on y va. On rajoute les œufs. Donc la poêle est chaude. Voilà. On verse tout. Alors après, ce qu'il faut faire, il faut aller assez vite. J'augmente encore un petit peu mon feu. Et là, il faut bien tourner pour que la chaleur elle se diffuse partout. Si vous ne remuez pas, ça va faire une croûte dessous. Ça va caraméliser trop fort et ça n'aura pas le temps de cuire à cœur. Donc là, je mélange bien pour cuire à peu près de manière homogène mes œufs. On peut avoir l'omelette un peu baveuse, hein, bien sûr. Là, je décolle. Là, voilà, il faut... Hop, une poêle qui accroche pas, si possible. Voilà, hop,
un petit coup, on tape sur la planche, là, paf, allez, vas-y, et on démousse ça, tac, voilà, allez. Magnifique. Voilà. Alors, ça, c'est l'omelette aux champignons de grand-mère, hein? Caramélisé un petit peu dessus, un peu baveux, gourmande, juste comme il faut. Mais maintenant, vous savez la faire. C'est quand même un geste technique, hein? Attention, c'est pas si facile que ça. Mais avec un petit peu de pratique, vous y arriverez. Bon, par contre, ce que j'attends, c'est important, c'est vos photos, hein, sur Instagram avec le hashtag programme mentor. Et je veux voir la plus belle omelette aux champignons que j'ai jamais vue. D'accord? Si vous manquez de matériel, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut. Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, régalez-vous avec cette omelette champignon en persillade. Alors j'aurais pu mettre du fromage, mais j'en avais pas. Voilà, Simon a oublié de l'acheter. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est facultatif. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez aussi en mettre. Allez, régalez-vous avec ça et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh bien, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben c'est juste là.